Oui. Oui, mesdames et messieurs. Mais là, il n'y a rien. Non, mais là, ça va être un problème, cet endroit. On est d'accord. Parce que eux, ils travaillent dans les mines, ils rentrent, ils ont leur appart, et voilà. Il n'y a pas de carburant, ils peuvent pas s'échapper. C'est vraiment le cauchemar. Ok, il n'y a plus de recherche. Très bien. On va... très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Il y avait un truc que j'avais commencé, c'est ça. Améliore les labos. On va... Vous savez quoi? On va exporter du carburant un peu. C'est très bien ça. Mais je pense pas que je peux en amener. Eh oui. C'est le seul truc que je peux pas amener. Raffinerie de carburant. Par contre, je peux les avoir là comme ça. Je peux pas faire venir du carburant, ce qui est un peu logique. Enfin, quoique, ils pourront en faire sur Terre et m'en amener. Logique, logique. Voilà. Merde. Ok, 19. 19 emplois. 19 emplois, 19 emplois. Bien. Bien, 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 bien. La carburant 0 sur 50. Elle, elle est en automatique, donc de toute façon, ça va pas bouger. Elle est à 55. Ça va être là du carbubu. On voudrait bien du carbubu, hein. Est-ce qu'il me faudrait une plateforme de décollage? Plateforme d'atterrissage. Ça coûte quoi? Ça coûte 8 de béton, c'est zéro. Donc j'ai bien fait d'en faire. D'en faire plein! Je mets pas la décoration de jardin, genre tout ça. Je crois qu'il y a un trait chez les colons qui fait qu'ils apprécient. Ouais, tout à fait. J'en ai mis un petit peu. Genre là, tu vois, j'ai mis des arbres un petit peu. Mais j'avoue que... J'avoue que j'en ai pas toujours mis, effectivement. Funding received. 750 millions! Ça se passe bien. Ça se passe bien les millions. 66 de carbubu. Allez, on va refaire des raffineries de carburant. C'est où? C'est pas là. C'est là. Raffinerie de carburant. Produit du carburant à partir de l'eau. Hop, les deux sont là. Il faut juste qu'elles se construisent. À faire un peu plus de carbubu. Même si en vrai, bon, plus ça va avancer, moi j'en aurais besoin, donc c'est pas grave. Faut que tu checkes un peu le bonheur de tes dômes, sinon ces habitants vont faire full harakiri ou se barrer. Bah, ça va, regarde ici. Confort moyen, 70. Bon, il manque de shopping, de détente, de diner, d'exercice et de social, mais ils sont quand même à 70. Eux, ils sont à 68. Eux, 64. 76. 68. 46. Non, maintenance. 34. Bon, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Le confort ici, c'est pas dingue. Mais on pourrait leur faire... on pourrait leur faire un petit... un immeuble casino. Voilà. Puis ça en ferait un deuxième en plus, c'est pas plus mal. Bon, très bien. Le carburant, c'est bon, hein. C'est en train d'arriver. Regardez, on est à 19. Ça se passe assez bien en réalité. Même si on a l'impression que c'est l'apocalypse globale, en réalité, c'est plutôt pas mal. Non, mais par contre, les métaux là, les métaux rares, ça c'est incroyable, hein. La production de métaux rares là, c'est un truc de fou. Par contre, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec le carburant en fait? Où est-ce qu'ils amènent le carburant, mes petits potes là? Lui, il va où? Il l'amène là. Ah non, il l'amène au truc des navettes. Et oui, c'est ça. En fait, là actuellement, les drones. Ouais. Ouais, c'est un peu la merde à cause de ça. Mais quand elle va décoller, déjà, ça ira beaucoup mieux. Là, j'avoue que j'ai tilt hein, à vouloir faire les centres carburant. Un petit bar dans le truc autonome. Ouais, c'est vrai, faudrait. Hein. Gymnase de plein air, un bar espace. On va faire la même chose là-bas. Gymnase de plein air, bar espace. Ouais. Gymnase de plein air.
barre espace. Vol de 5 de béton. Pas assez d'ouvriers, pas de carburant. Ok, je crois qu'on est bon là-dessus. 97, 98, 100. Allez, let's go. Et maintenant, on va pouvoir enfin stocker. On va pouvoir enfin stocker un peu de carbubu. Ici, il n'y a absolument personne qui bosse. peut-être qu'il faudrait... Où est-ce qu'il y a des habitants libres? Où est-ce qu'il y a des emplacements de résidence libres, là? C'est là-bas, à droite, c'est ça? Ah non, même pas. Où est-ce qu'il y a des places? Pourquoi j'ai 82 habitants? Enfin, espace libre d'habitation. Ah, c'est là, c'est dans ce dôme-là. Ok. Bah, faisons venir des gens. En plus, on a des presque du travail pour eux. Ah oui, mais j'ai pas de fusée dispo. Pas de fusée dispo en ce moment. Faudrait acheter une fusée, mais on n'a pas assez. C'est 3 milliards. C'est quand même dommage. Il est où mon gars, là? Mon gars sûr. Transporteur télécommandé. Non, pas transporteur. Explorateur. Y'a pas d'anomalie, là? Et non. Enfin, pas abordable. Ok. Ça stagne à 540 habitants. Ouais, bah normal. En même temps, pour... Oh! On la voit décoller. En même temps, pour avoir... pour faire monter d'un coup la population, c'est quand j'avais tilté, je m'étais dit, vas-y, je fais le gros dôme, j'y vais. Oh merde, la décharge, là. Oh, c'est chiant, ça. C'est chiant, la décharge. Vraiment, c'est relou, ça. C'est où? Putain. C'est là, dépôt. Décharge. Dépôt, décharge. Il y a d'autres endroits où il faut que je fasse des décharges. Là, ici, là, ici, ici, là, ici. Là, ça fait pas de déchets, ça? Si, peut-être que si. Hein. Ça, ça sert à rien, tout ça. Elle arrive quand celle-là? 35%. Bah après, ça nous fait de l'income, c'est bien. Recherche terminée, amplification de recherche, automatisation de la ferme, homotatisation de la ferme. Bouh! Tu peux augmenter le niveau de plus en plus, plus t'auras fait de game. Bonne durée de vie. Ouais. Les barres espaces, les châteaux ports, décidément. Bah ouais, hein. Ah, y'a personne sans emploi. 8K2 de roche stérile. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Le gymnase. Le bar. Champignons. Champions. Débarrassez-vous et vérifiez que la contamination ne s'est pas répandue. Les fermes fongiques existeront une maintenance d'urgence. Désactivez toutes les fermes fongiques pendant 10 sols. Non, non, non. Maintenance. Maintenance d'urgence. Elles veulent quoi? Elles veulent un de métal. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Pas assez de carburant. Bon, par contre, là, le carburant, ça suffit les conneries. Parce que là, il n'y a plus aucune fusée dans la base. Donc là, j'ai envie de dire, normalement, on va stocker. On va stocker du carbubu. Pourquoi il y a du carbubu ici? C'est une blague ou quoi? Ok, ok. Ouais, ouais, du carburant un peu là-dedans. Je comprends pas pourquoi ce truc marche pas. Vraiment, ça me déglingue. Parce qu'en fait, on n'est pas encore en stockage. Là, ils sont encore en mode... Ils sont encore en mode, il faut qu'on en amène partout. C'est pour ça. Et les navettes en consomment, donc... mais ça va, c'est en train de... Ça va le faire, hein. Là, 18, 19, 84 de prod. Consommation 27. Lui, il a toujours pas de carburant, le pauvre. Parce qu'il faudrait en amener là, hein. C'est ça le problème. Il faudrait amener un peu de carburant en navette ici. Mais ça va le faire. Quand tout le monde sera en surplus, ils vont en amener. Au pire, on peut le forcer, hein. Mais pour l'instant, on en a pas. C'est ça le truc. On est à 21. Bon. Oh, ils vont où là? Vous allez où, les gars? Est-ce que j'achète une fusée? Non, je pense pas. Parce que j'ai bientôt fini les expéditions. Donc, quand j'aurai fini, normalement, j'aurai plus trop besoin de ça. Ça va le faire, à mon avis. Ouais. Il y a aussi l'usine de polymère, effectivement, qui nécessite. Alors, les tunnels! Bon, est-ce qu'on essaierait pas de se faire un petit tunnel là? Je pense que ce serait intéressant. Ça va vite me passer. Hein. Il faut un contrôleur de drone. Ok.
Alors comment ça se passe? C'est genre un canal de Nidus? Comment t'amènes un contrôleur de drone ici? Ça coûte si cher par contre. Un tunnel. De toute façon, il n'y a que ça pour y aller. Pour aller ici. Parce que est-ce que... Attendez. En fait, j'ai même pas testé, je sais même pas. Là, si lui, je lui dis d'aller là, est-ce qu'il y va en mode c'est difficile mais on y arrive? Ou est-ce qu'il dit en bas de la falaise possible? Voyons. On observe. Ouais, voilà, il dit impossible. Ok, normal. Donc soit on aplanit comme un bonnet, soit on fait effectivement un truc de rampe. Positionnement non valide. Eh oui, parce qu'en fait, faut faire comme ça, c'est ça. Pff, quel bordel. Oh, quel bordel. Oh. Ah ouais, d'accord. Le délire, quoi. Le délirium. Il est où actuellement, mon bonhomme, là? Il est là. Peut-être dû le faire sur la gauche. C'est pas très grave. Mais ok, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Sinon, il y a le tunnel du canal de Nidus, quoi. En fait, le tunnel, c'est juste un canal de Nidus. Genre, tu mets une entrée ici, une sortie là. La rampe, c'est quand même beaucoup mieux qu'aplanir. Ouais, c'est sûr, hein. Par contre, toutes les roches stériles que ça va me faire, j'ai déjà envie de mourir. Non, attendez, attends. Là en réalité, où il faut que j'ai accès à l'entrepôt au cas où, mais là c'est juste que ça va prendre 3 plombes, mais ça va le faire. Hein. Est-ce que d'ailleurs il peut pas avoir un peu plus de drones lui? Voici pour en avoir 3 de plus. Que je prenne 3 drones AFK, là, genre E3, E2 là, mais ici, mettez-vous avec lui là. Voilà, hop, voilà. Est-ce qu'on va avoir une petite merveille? Est-ce que je vais créer une merveille? Bah, il y a ça qui est pas mal, hein. Réduit les coûts de recherche et tout. Après, 240 de métal, 300 d'électronique, 320 de béton. Maintenance 3, consommation 80. En vrai, je peux, hein. Je pourrais la faire. Est-ce qu'on se ferait pas un petit télescope Oméga, là? Un Oméga télescope. Vas-y, go, hein. Vas-y, go! Ouais. C'est parti! Tout le monde est à l'œuvre! Pour la construction! La merveille! Une merveille! Un Oméga télescope. Ah là, la navette, là il y a de l'agitation dans la base là. Ça y est, tout le monde pète un câble. Qu'est-ce qui se passe? Ah, par contre, ça en ramène de la ressource. Hein. Là, ça ramène de la ressource. Bon, il faut que je commande de l'électronique et de la. J'ai pas de fusée dispo, donc tant pis. Il faut des métaux et de l'électronique. Oh putain, 10 de métaux par capsule de ravitaillement, ça dégoûte. Voilà. Allez, pour l'Overmind. Regardez ça, quoi. Toutes les petites choses là qui s'activent. Tunnel, ça passe. Faut un accès à un contrôleur et une seule extrémité du tunnel. Bah ouais, mais j'ai bien compris, hein. Mais je sais pas, je trouvais ça marrant d'essayer de faire ça, là. Ça va faire une giga rampe. C'est trop marrant. Bon, je teste un peu tout, quoi. Faut essayer de tout tester un petit peu. De toute façon, je suis obligé de faire ça pour baisser les recherches maintenant, parce qu'après, ça me servira plus à rien. C'est ça, le truc. Eh oui. La rampe, c'est la piste de ski. Bah ouais, elle va être bien. La taille de la rampe comparée au dôme. Attention, ça va prendre 3 plombs, hein. Quand tu vois que là ils sont au tout début, ils sont à 14%, juste ils extraient les roches et après ils font la pente. Donc c'est clair que ça change tout. Après, avec cette pente, tu fais une piste de ski. Elle te fait les éoliennes pour 10 plus. Ouais, je sais, je l'ai lu dans le tuto. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cet emplacement de base. En fait, ici, là vous le voyez pas, mais en gros,
Ah, 1000 colons construit une merveille. 40% d'ouvriers dans les ateliers. Ça fait quoi quand j'aurais construit une merveille? Ah, j'aurais 5000 de recherche, nice. En fait, vous l'avez pas vu, mais en fait, quand je me suis placé à cet endroit-là avec ma base, en fait, je suis déjà. Ah, mais on peut pas le voir. En fait, j'étais en altitude. Dans mes emplacements. Donc voilà. Resources are low. Voilà. Voilà, allez, hop, 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 hop. Du béton, du béton, du béton. L'Oméga débloque de nouvelles recherches. Ouais, bah ouais, je sais. Tu peux mettre un contrôleur de drone pour aller plus vite pour la pente. Ouais, non, mais j'ai pas besoin que ça aille plus vite. Je suis pas pressé, tu vois. Pas pressé. Oh là, c'est trop stylé. Là, il y a vraiment 1 milliard de drones qui font des trucs. C'est trop stylé. En tout cas, je suis content qu'on ait réussi à stabiliser la crise du début de soirée, là. Parce qu'honnêtement, quand j'ai lancé la partie en début de soirée, et hier, quand on a fini, j'étais en mode, bon, bah, la partie est finie, dommage. Je suis dans une situation que je pourrais pas inverser. Et c'était vraiment juste, mais j'ai réussi à m'en sortir. Je suis assez content. Assez fier de ce que j'ai réussi à faire. Je pensais vraiment que c'était lose à 100%. En fait, c'était pas le cas. Ok, électronique, c'est bon. Métal, c'est bon. Il faut un peu de béton. Et c'est bon. Et maintenant, on construit. Colonist has died. Ça fait plaisir. Nouveau projet spatial, satellite de communication à haut débit. Si t'as le pédigré, ça se reconnaît. Ah oui, ça, c'est encore plus pour que le sponsor soit encore plus content. Non, mais c'est bon. Ça, c'est fini, ça. Adieu. Ah, voilà. Maintenant, en ligne. Allez, let's go. Le Omega télescope. Sol 167, pour ceux qui veulent savoir, c'est ici. Et paf! Pas encore. Parfait, parfait, parfait. Parfait, 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 vas-y. Termine-toi. Boum! Wow, stylé. Nouvelles avancées technologiques, 3. Alors, les colons ont 50% de chance de perdre un défaut lors de leur voyage vers Mars. Insane. Besoin en eau des cultures réduit de 50%. J'ai pas les mots. Les martiens gagnent 10 de productivité. Abusé. Bon bah, let's go. On va d'abord faire ça. Puis ça. Puis ça. Oh, j'ai pas les mots, hein. J'ai vraiment pas les mots. Ok, bah insane. Alors, du coup, ça c'est quoi? Ça c'est des gens? Je me rappelle plus. J'ai fait venir quoi, là? Qu'est-ce que j'ai fait venir? Charge utile. Rien. Quoi? Ah mais oui, c'est la fusée d'expédition. J'étais là, comment ça? Elle revient, elle sert à rien. Qu'est-ce que c'est que cette borne? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il va falloir refaire un peu d'électronique. Après ça va, j'en consomme quasiment zéro. Donc toi, tu faisais de l'expédition. Bah là, y a plus rien. On s'est mis bien là quand même, non? Bon voilà, après il y a que des expéditions que je peux répéter à l'infini. Bon, en vrai, je devrais faire ça, hein. Même si putain, 100 d'électronique, hein. Autant dire l'infini. Bon, je pourrais le relancer, mais peut-être plus tard. Pour l'instant, on va la faire rentrer sur Terre, je pense. Comme ça, on aura une fusée. On va un peu se calmer là-dessus, là. Il y en a une qui est en automatique, déjà. Mais celle-là, elle va rentrer. Elle va rentrer sur Terre. Par contre, ça, c'est incroyable. Oh, il bouge, bien sûr. Énergie 80. Ouais, ça, j'ai vraiment de la marge là-dessus. J'ai de la marge sur l'eau. Ils en sont où, eux? 40%. Ok, 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 ok. Et c'est incroyable. Plage horaire, travail inactif, très bien. On a des logements dispo. Il faut qu'on fasse venir des gens, hein. Elle va retourner sur Terre direct dès que j'aurai mis tous les métaux rares dedans. Parce que là, on est d'accord, j'ai plus de fusées dispo. Et ouais. Ah ouais, non, ça va pas. Et je peux pas en acheter une. 3 milliards. 3 milliards, ouais. Regarde les autres merveilles. Bah, j'ai pas. Pour l'instant, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une de merveille, donc pour l'instant, je peux pas en faire d'autres. On les découvrira plus tard, je suppose. Ok. Bon, chargez les métaux rares, là. On peut prioriser ça. On est à 22. Mais il y en a 73, donc on peut vraiment y aller en termes de chargement. Je vais attendre qu'elles soient à 30. Regarde les autres merveilles à rechercher, je parlais. Ah oui, 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 c'est elles sont... oui, en effet. Tu as raison, tu as raison. Mais attends, parce que de toute façon, là... De toute façon, j'ai d'autres choses à faire dans mes recherches. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, les ouvriers. Ouais, on manque vraiment de main-d'œuvre là. Il faut que je me bouge. On a 67 emplois disponibles. Ça me rend ouf.
Ok, c'est bon, elle peut repartir. Au revoir. Terminé, lancer le satellite SETI. Ah, oh, trop cool. Ça m'a fait un peu de tunas. Ok, parfait. Et donc là, elle revient, c'est ça? Retour du projet SETI. Ok, parfait. On va pas le refaire. Là, je suis à 3 milliards 4. Je vais pas acheter une fusée avec. On va se garder un petit peu. Pour l'eau, tu utilises quoi principalement? Bah, j'utilise un robinet. Non, je déconne. J'utilise bah, ça, l'extracteur d'eau, mais amélioré deux fois. Et ça, c'était les gisements en eau profonde. Je pourrais même en refaire un à côté, mais ça n'a pas été très compliqué. Est-ce que ce jeu est payant? Oui! Achetez-le sur Steam! Ça soutiendra les devs! Ne l'achetez pas sur des sites de clés CD! Sauf si vous avez vraiment pas les moyens et que vous voulez trop jouer. Mais soutenez les développeurs. Vous aimez ce genre de jeu, vous trouvez que c'est insane, ne les achetez pas sur des sites qui les proposent à 10% du prix de Steam. Faites ça pour tous les jeux, quand vous le pouvez, évidemment. Alors, bon, vous avez vu le carburant? Voilà, 42, c'est bon. Production de carburant 84, consommation 58. Logique. Allez hop, elle repart en automatique, celle-là. Celle-là, elle va rentrer sur Terre, hein, je pense, hein. Là, on va lui autoriser les exportations et elle va se casser. Comme ça, j'aurai deux fusées. Il est gratuit sur Epic, pourquoi l'acheter? Il est gratuit en ce moment? Sur Epic? Ok. C'est ceux qui ont dev Stellaris. Oh, ça m'étonnerait. Ça n'a rien à voir avec Stellaris pour le coup. Enfin, je trouve. Il y a des strats qui utilisent des vaporisateurs. Je sais pas comment ils font, ça donne si peu. Ah, ben moi j'en ai beaucoup des vaporisateurs. Hein. Tu vois, j'en ai un là, un là, un là. On est pas mal quand même, hein. Tu vois, tout là où tu vois du gris, là, c'est vaporisateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en ai quand même pas mal. Donc ouais. Effectivement. Ah oui, non, c'est le même éditeur. Oui, ok, ok, pardon. C'est le même éditeur, pas le même développeur. Ok, my bad. Oui, mais 1,5 do. Ouais, 1,5 do. Bah, en fait... ça peut suffire, hein. Regarde. Là, en demande d'eau, je suis à 26, donc ça va. Pas non plus. Pas 1 milliard. Et arrêtez de me dire qu'elle est prête à décoller alors que j'attends qu'elle soit à 30. Bordel de merde. Après, effectivement, c'est 1,5 d'eau, mais c'est infini. Alors que le gisement d'eau, lui, il est épuisable. Tu vois, ici, là, dès que ce sera épuisé, boum, j'aurai dans le baba. Automatisation de la ferme. Excellent. Excellent, 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 excellent. Quand tu boostes la recherche, en fait, ça c'est vraiment le clutch ultime aussi, hein. Quand tu clutches à mort les recherches, c'est clair que tu peux te faire tellement de... Ah, oh, putain, ça y est, elle est enfin en route vers la Terre. Ah, mais je crois que c'est l'automatique. Ok, c'est bon. Oh, c'est bon, enfin. Ok, go. Est-ce que en filtre... Mais tout à l'heure j'avais la possibilité de faire ça. Spécialisation. Et touriste. Enthousiaste calme. Encore des sexy. Go. Je tente ça. Y'a de la coop sur ce jeu? Non, c'est un jeu solo. Hop, retour sur Terre. Imagine dans un des dômes, vous imaginez la taille de la pente IRL. Ouais, c'est piste de ski, hein. C'est exactement ça, hein. Regarde, tu peux le faire, hein. Si t'es ici, là, imagine je suis en haut de la montagne, là. Regarde la taille de la station en bas. Eh oh! C'est à peu près ça, hein. C'est ça à peu près. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, c'est vrai qu'on peut cliquer molette et ensuite faire flèche du bas. Non, ça... Tellement de logements, tellement de logements. Il faut que je fasse venir deux fusées, hein. Vite reviens, l'autre fusée, vite. Dommage, une coop sur le jeu doit être trop bien. Ouais, après c'est pas évident, vous savez. Zéro personne qui cherche du travail, mais 63 postes à pourvoir. Au secours. Reçu. Ah, j'ai 5 milliards. Là, ça vaut peut-être le coup d'acheter une fusée, non? Ouais, mais non, parce que là, c'est juste que je faisais des...
je faisais des trucs. Il faut que je résiste. T'as pas un bâtiment de police pour éviter tous les vols que t'as depuis tout à l'heure? Non mais si, j'ai, mais il y en a un là, ici, là, mais ils sont pas très, tu vois, il y en a... Il y a 3 flics pour 537 habitants, donc... donc des fois, les 3 flics, ils sont là en train de bouffer, puis t'as un voleur qui est là-bas, quoi. Voilà, il suffit que t'aies un voleur qui fasse le guet des 3 flics, et t'as les autres qui sont en mode, c'est beau, ils sont en train de bouffer, ils y vont, quoi, voilà. C'est un problème. Problème majeur, c'est pas grave. Là, je pourrais aplanir, faire un petit dôme avec un passage et prendre ce truc. Mais bon. Je sais qu'il n'y a pas assez d'ouvriers, je sais. Heureusement, ça va, j'ai un peu de réserve. Elles arrivent quand, là? En route vers Mars. Ah, 80%, enfin. Bon, ça c'est celle qui me fait mes voyages automatiques. A colonist has died. Sana Johnson. Les recherches, ça en est où? Hop là. Très bien. Télescope Oméga, 20%. C'est trop bien que tout coûte moins cher, là. Pff, quel pied. Alors, les merveilles. Les autres merveilles, c'est quoi? Extrait les métaux rares. Ah oui, là, c'est métaux rares et béton. Voilà. Métaux rares et béton qui a plus besoin de gisements. Production de l'extracteur de métaux rares a augmenté de 50%. L'ascenseur spatial, ça c'est incroyable. En vrai, c'est celle-là que j'ai envie de faire. Je vais faire celle-là, vas-y. 30 000, mais... Moon Hall, c'est S tier. Ouais, je trouve que l'ascenseur orbital, c'est S tier aussi. Hein. De toute façon, toutes les merveilles sont incroyables. Hein. Toutes les merveilles sont incroyables. Elles sont toutes ultra utiles, ultra OP. Ah, nivellement de la rampe, ça y est! Des roches stériles doivent être livrées ou enlevées du site. Ouais, non, mais c'est bon, ça arrive. Bon, fusée. Une fusée avec des gens qui arrivent. Des gens. Funding received. Hop. Là, il y a de l'incom. Comment ça charge des drones élevés? Ah oui, mais pas partout, c'est ça le problème. Mais bande de dégueulasses, ils peuvent pas les mettre à la décharge. Mais c'est dégueulasse. En route vers Mars. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, elle va arriver, c'est ça, celle qui va atterrir là. Ouah, dis donc, regardez ça. Ouah, ça c'est trop beau, j'adore. Oh, toute cette bouffe, regarde toute cette bouffe. Mais ça, pourquoi j'ai encore le journal ici? C'est bon, j'ai fini. Oh, je peux l'enlever, énorme. Parce que je pouvais pas l'enlever au début quand j'étais encore sur cette quête. Mais maintenant, je peux. Je reviens de chez Amazon, j'ai précommandé l'édition physique du jeu Hades. Grâce à toi, je suis hype par le jeu. Ah ouais, ah, ils font une édition physique, trop marrant. Je savais même pas. Ça va mieux le confort ici? Ah ouais, 58, ils sont plus à 30. En vrai, grave bien, hein. Tant mieux. 67. Ok, cool. Oh, ici c'est incroyable. Hein. Ce dôme c'est insane. De toute façon, à l'avenir, tu fais que des gros dômes après. Au moins, tu peux tout mettre dedans. Enfin, en vrai, c'est un peu compliqué, mais. Bon, ok. En tout cas, les métaux rares. Bon, de toute façon, tu peux rentrer parce qu'en vrai, je vais faire venir une autre fusée là. Avec d'autres gens. Est-ce qu'on veut qu'ils aient ça? Non, pas forcément. Je vais me refaire un petit groupe neutre. En vrai, pas de spécialisation, c'est pas grave parce qu'après on les forme et total de diplômes 163. Spécialisation demandée: 7 botanistes, 1 ingénieur, 8 géologues, 9 docteurs, 5 scientifiques et des agents. Ouais, la bouffe, on est bien. On est vraiment grave bien. On est bien dans tout, hein. Pas assez d'ouvriers, tout, partout, tout le temps. Culture à sec, c'est bon. Besoin en eau des cultures réduit de 50%. Du coup, je suis passé à 2. 2 alors qu'on est
en full exploitation. Moi, je pourrais refaire les réservoirs d'eau et tout, mais je sais pas si ça sert vraiment. Enfin, ça sert si c'est l'apocalypse, mais bah, ça l'est pas du tout, quoi. On va faire de quoi faire passer un tuyau. Voilà. J'ai 4 petits réservoirs. Mais ça, c'est incroyable, hein. Réacteur à fusion. Pff. Les réacteurs à fusion qui nécessitent même plus d'avoir des gens qui y travaillent. Oh, il y en a un qui... Ça, sert à rien. Ça, c'est un truc de fou, quand même. Franchement, c'est abusé, je trouve, même. 48 Et oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus de prod d'eau que ce que je crois. C'est juste que, quand tu peux pas la stocker, tu la vois pas. Et oui. Eh oui, c'est quoi ce trou noir de la mort à droite de ta base? C'est les extraterrestres qui sont en fait la civilisation d'avant sur Mars qui m'a dit « Ouais, c'est bien ce que vous faites !» Et voilà, ils se sont barrés. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, bien joué, hein. Et hop, ils sont partis. Et voilà ce que je comprends pas. 55 personnes cherchent du travail. Non, 55 emplacements de travail libre, 21 sans emploi ou en recherche de travail. Qu'est-ce qu'ils foutent? Alors peut-être qu'ils vont se former à l'université. Je sais pas. Peut-être qu'il faut que je priorise l'université. Comme ça, les gens, ils y vont direct. Ils se forment pour les bons trucs. Peut-être qu'ils attendent d'être formés. Et après, ils y vont. Peut-être c'est ça. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas les bons diplômes. Et voilà, pas d'études ou alors trop loin. Ouais, non, mais je pense que c'est ça. Hein. Ok. On a des gens qui arrivent. En route vers la Terre. Hop là, fusée de transport. Encore des gens, s'il vous plaît. Des gens. Mais genre là, typiquement... Attendez. Là, typiquement, notre planète demande quoi? Surtout des botanistes, des géologues et des docteurs. Donc en théorie, si je fais ça, botaniste, géologue, docteur. Eh, mais non, ça va pas. Botaniste, géologue, docteur. Appliqué. Botaniste, géologue, docteur. Let's go, les gars! Voilà. Je trouve pas que l'event à l'Accor Hotel Arena est l'équivalent de la The Event. Tu regrettes pas de pas l'avoir fait en premier dans la grande salle de Bercy? J'ai rien compris à ce que t'as écrit. Si tu parles de Speedon, ça a rien à voir avec The Event, à part que c'est caritatif, mais c'est le seul point commun. Et c'est pas dans la grande salle de Bercy du tout. La grande salle de Bercy est fermée au public. Sauf pour un concert test qui va avoir lieu avec 5000 personnes en avril, je crois. Donc je pense que tu as les mauvaises informations. Voilà. Pourquoi il est tout poussiéreux, mon dôme, là? Pas aller passer de la lingette? Et non, j'en ai rien à foutre. Et au contraire, je suis très content que MV fasse un event. Voilà. Je serais très content que MV fasse un event. Et c'est en plus un privilège et un honneur, puisqu'il m'a invité à faire le host là-bas. Donc au contraire, c'est que du positif, je trouve. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on a assez de métaux précieux? Bah non, bah vas-y, bah rentre, hein. Attends, quoi? Ah oui, non, il y a un peu de bouffe. Quand il y a un peu de bouffe, c'est cool. De toute façon, elle, on s'en fout. Interdire les exportations. Comme ça, elle va mettre là-dedans en priorité et ça va être mieux. Envoyer des colons pour arrêter ce fou. Envoyer des drones pour arrêter ce fou. Attends, quoi? Il court nu avec une clé à molette dans la main. Il a déjà blessé plusieurs personnes. Ben envoyons des drones pour arrêter ce fou. 3 drones ont été détruits. Le colon ne pourra plus travailler pendant 5 sols. C'est pas très grave. T'as toujours un dôme vide où tes colons se font chier. Alors est-ce qu'ils se font vraiment chier? Oh, pff, oh ouais. Merde. Attends. C'est trop bien les canaux de Nidus pour combler les besoins en cas de main d'œuvre. Ouais, non, c'est bon. T'inquiète. Alors barre espace. Into gymnase de plein air. Into épicerie. Hop. Into pas immeuble casino quand même, faut pas déconner. Sector scanned. Oh, j'ai envie de refaire un labo de recherche. Oh, j'en refais un. J'ai envie d'en faire deux. Ou alors l'Institut Hawking, hein. Génère de la recherche plus rapidement qu'un labo de recherche. Ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr, je vais faire ça. Hein. Allez, go. Let's go.
Je le refais. Bon, je sais que j'ai pas assez de gens, mais les gens arrivent. Les gens, ils sont en train d'arriver. Gens are arriving. Regardez, ils arrivent, les gens, là. Ils sont en cours de transport. Ça arrive. Research complete. Voilà, go. Oh. Fuck. Ok. New colonists have arrived. Très bien. Elle ressemble à quoi ta ville au ras du sol? Ah, oh, je sais pas. Ah, ça. Ah, je peux pas trop avancer plus vite. Oula. Je peux pas avancer plus vite. Ah, c'est stylé, hein. J'aime bien, moi. Trop hâte d'aller sur Mars et voir des fusées décoller et atterrir toutes les 15 minutes. En réalité, c'est plutôt des jours, hein. Mais c'est l'idée, oui. En effet. Dans la vue d'un rover. C'est ça, faudrait se mettre dans la vue d'un rover. Oh là, c'est bon, il y a des scientifiques ou pas? Ouais, non, pas encore. Non, mais normal. Ok, là, il y a 30 emplois à pourvoir. Mais tranquille, ça va arriver. Il faut pas être pressé, d'accord? Oh, on peut... Oh my god! Attendez. Elle est où, mon institut Hawking? Elle est là. Bleh! Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oh my god! Ça, c'est quoi, ça? Université martienne. Là aussi, on peut prioriser, hein. Si des gens veulent se former, ils ont le droit. C'est leur droit. Après, non. Est-ce que je dois vraiment prioriser ça? Non, je crois pas. Je crois pas que je dois prioriser l'université. Pas les trois, en tout cas. Le bar espace, y a personne. En fait, faut pas que je me fasse de build sur ça. C'est le temps qu'ils se forment ou qu'ils arrivent dans les trucs. Donc, y a pas de souci. Il faut que je me calme. Ça me stressait, ça m'énervait. Mais en fait, il faut se calmer avec ça. Sous-traitance. On peut pas. Pourtant, on a 5 milliards. C'est tout de même 5 milliards qui sont là. Ça retourne sur Mars, ça fait quoi? Ouais, ça retourne vers la Terre. Ok. 39 logements. Vous savez que là, on peut faire des petits immeubles intelligents. Deux petits immeubles intelligents comme ça. Si on aura peut-être des bâtiments zérateurs un jour, quoi. Pas des conneries. Conneries, pareil. Attends. Ah non, là, il y a le passage. Ah, mais non, mais l'épicerie aurait dû être là. Oh. Eh oui. L'épicerie. Non, pardon, attends. Hop. L'épicerie aurait dû être là. Oh, la vitesse à laquelle je trouve les bâtiments, du jamais vu. Ce jeu a l'air calme, peux-tu perdre la partie? Ah oui, tu peux perdre la partie, j'ai bien failli la perdre de nombreuses fois. Et j'ai réussi à m'en sortir, des fois c'était pas forcément évident, mais... Ah merde. J'avais oublié, les drones détruits là. Ça c'est un drone détruit, non? Ah non. Je peux le détruire quand même. Ah non, je rigolais. Recyclage. Change des skins des bâtiments et des dômes pour le lore. Alors le truc c'est que oui, c'est possible. Inspecter les bâtiments. Non. Oui, on peut, mais pas tant que ça en fait. Hein. En fait, il y a que deux apparences. Une, deux. Voilà. Donc c'est quand même pas... C'est quand même pas dingo, tu vois. Et les bâtiments, pareil. Les reskins, c'est souvent... tu changes leur inclinaison, en réalité. Tu vois, genre les maisons, là, si tu reskins, ça fait ça. Ouais, non, c'est vrai. Les maisons, il y a des petites maisons stylées, là. Ouais, non, j'avoue, celles-là, elles sont stylées. Et t'as pas toujours la possibilité de faire ça. T'as pas ça sur tous les bâtiments, on va dire. Genre le restaurant, y'a pas, tu vois. Voilà, typiquement. Typiquement, le restaurant, y'a pas. En route vers la Terre. Bon. Là, c'est bon. J'ai une fusée de transport qui peut arriver. Ok. Il me faut beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de scientifiques. Beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de scientifiques.
Go. Attends, déjà arrive. Voilà, pardon. Ça manque pas une horde d'ouvriers. Bah, en fait, je sais pas trop qui est le plus qualifié pour qualifier dans, pour travailler dans ces trucs. Je crois que c'est personne en fait. C'est-à-dire que là. Est-ce que c'est forcé? Parce que c'est les ouvriers, ok, mais les ouvriers c'est tout court. Oh! Sans domicile 1. Mais pourquoi? Mais il est con quoi? Il y a 69 apparts vacants. Attends, mais quoi? C'est lui? Je l'ai vu là. Je l'ai vu passer. C'est toi? Non, mais il est en train d'aller chercher son logement, non? En vrai. Ah voilà, c'était ça. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Une tempête de sable. Exploration. Attends. Oh, il y a la pente qui est faite! La pente est terminée! Enfin, je crois. Waouh! Bâtiment gisement épuisé. Oh, il n'y a plus de métaux! Ok, et ben ok. Et ben au revoir. Il n'y a plus de métaux. Là, au niveau du gisement de béton, je pense qu'on en a pour 1 milliard d'années. En vrai, je vais le boosted. D'accord, plus de métaux. Alors, ça, est-ce que ça nous embête? Pas vraiment, puisqu'on a lui. En fait, pas vraiment. Par contre, on peut faire ça. On peut faire ça. L'espace de stockage est plein. Comment ça? Ah ouais, non mais ici il me faut des contrôleurs de drones, je pense. Attends, mais quoi? Comment ça l'espace de stockage est plein? Et ces drones qui font rien là. Oh, il est en dehors de tous les contrôleurs de drones sauf un. Je vais faire un contrôleur de drone ici. Huh. Après on en fera un là. Et après on va monter genre. Ok. Vas-y, ça pourrait être marrant d'ailleurs. Bon, attendez. D'abord, il faut que je mette un dépôt un peu universel ici. C'est vrai que j'aurais dû faire le truc qui construit des fusées sur Mars, c'est ça que j'aurais dû faire. Dépôt de métaux rares. Non, dépôt de métaux, tout court. Ça n'existe pas. Polymère, métaux. Ah si, là, voilà. Ok. Il n'a pas de câble électrique. Ok, cool. Je viens une fusée de mec rempli de mec sans spé. Oui, je comptais le faire. C'est la prochaine fusée que j'allais mettre. C'est exactement la prochaine fusée que j'allais mettre. Je vais faire, venir une... Oh, tempête de météores. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. En même temps, on a plein de ressources en réserve. Le principe des tempêtes de météores, c'est qu'il faut beaucoup de stock d'énergie, d'oxygène et de ressources. Genre là, l'électronique, j'ai que 66 entre gros guillemets. Et ça devrait le faire, je pense. Fusée de transport. Donc là, effectivement, filtre, on va vouloir que des... Pas de spécialisation. Et aucun autre, je pense. Ouais, voilà, les 22. Let's go. Alors lui, on va le mettre tout en haut, là. Ah, ça me hype. Hein. Attends, vas-y. Il est où, mon explorateur? YouTube, c'est la fin de cette VOD, on va explorer la pente.